Mes amis, gros zin dans la République. En d'un primature là, pral gen rel kamakourel. Selon et responsable RNDDH là, Pierre Espérance, qui c'est directeur exécutif et Santé Carrelé et moun kap défend et droit moun dans pays ya. Eh bien, fait qu'on est PM Ariel Henry caché en dedans la kayli yon assassin qui t'a concocté pour touyer et président Jovenel Moïse. Est-ce que c'est vérité? Est-ce que c'est non menti? Mais seul ça nous connaît en Haïti pas jamais gen la fumée sans difé. Donc nous t'a souhaité Pierre Espérance ba nous toute preuve à conviction que docteur Ariel Henry serre la kayli Badjou. Est-ce que tout parce que PM nan li c'est un PM qui en fonction et malgré nous connaît li inconstitutionnel, est-ce que la police avec la justice pa ka al fouiller kay PM nan pour vrai est-ce que Badjou en dedans? Eh bien mes amis, PM Ariel Henry te participé nan yon émission nan capital la pour te parler de Badjou. Badjou sonnek kel konnen longtemps. Badjou pa gen l'argent pour la fon opération comme ça. Donc j'aime dire nous PM Ariel Henry, c'est lui-même avec bon Dieu seul qui connaît. Mais nous t'a souhaité tout pour que pas ta gagne diversion dans ça qu'a fait là parce que nous connaît nèg ici bon dans ça. N'a pas rappelé, nous songer docteur Claude Joseph pendant petit temps passé comme premier ministre là, en pile monde qui connaît que il gagne pour dans la mort président Jovenel Moïse là. Et bien après on t'a fini retirer dans tête primature là, yo mettez lui comme ministre des Affaires étrangères, nous pas jamais tande rien. Est-ce que c'est même bagaille là tout? Nèg yo vle font façon pour Ariel Henry ta démissionné et bien ou même nan pour yal brasser bil paya dans l'autre façon pour est-ce que normalement yo ta rale yon nom nan Sénat pour mettre comme premier ministre ou du moins comme président pays parce que déjà gen enquête moi ba yo met ale m'a avec pour nous et qui gen fait connait que eh bien, trois canons sénateurs en bas, t'as la corruption et t'as ta impliqué dans la drogue. C'est seulement et citoyen ça, Patrice Dumont, qui t'a pas gagné de retenir comme ça. Eh bien, entendez, Ariel Henry qui t'a répondu à la question dans l'affaire Badjou, son monde le connaît longtemps, qui peut faire 10, peut faire date. Eh bien, Pierre Espérance dit, Ariel Henry, ou m'a dit qu'on chien, Badjou la caillou, sous un courage, démissionner. Eh bien, nous parlons prendre Badjou côté l'IA en dans la caillou. En dans de Ariel Henry. Nous sommes en de Ariel Henry. Entendez qui Jean Ariel Henry, à un moment qui peut être premier ministre, mais non le décret publié dans le moniteur pour te prendre fonction quelques jours après la mort assassinat président. Entendez qui Jean l'été et connaît. Et qui Jean et entendez qui Jean PM Ariel Henry te prend nouvelle la mort président de la République là l'elle connaît yo assassiné président yo touyer mes amis, c'est triste. En attendant monsieur, bonsoir et merci parce que nous répondre présent pour capable couvrir point de presse que PNH là à bail dans local dans direction générale après midi. Nous avons deux points nous allons aborder sur vol zone sinistrée que le commandant-chef PNH là, TP, hier dimanche là, dans le Grand Sud. Et présentation, comité suivi, sous plan sécuritaire, que Simon Sarino est là, nous va présenter. Dimanche 22 août, commandant-chef PNH là, M. Léon Chol, avec directeur central police administrative, IG Modeste Auguste, directrice logistique PNH là, qui c'est CP Gislaine Désiré, et une délégation ambassade américaine qui fait un survol de Grand Sud pays. Côté Utah, regardez qui dégâts qui t'est causé. Survol ça a été fait avec appui hélico ambassade américaine. Zone délégation ça a été survolée, c'est pour être capable de faire une idée exacte des dégâts qui causent dans plusieurs zones qui reculent. Il y a 8 communes et sections communales qui ont été survolées à très basse altitude. Dans le sud, Nip avec Redes. Il y a quelques zones qui ont été retenues, attention, commandant en chef, là, tant que
l'asile, Maniche, Arniquet, Capéré, Lekaï, Chambéla et la Tibonière. Zone ça yo, yo touché en pile, mais ne yo pas cité trop par rapport à disposition yo, ou bien zone j'en yo reculé, par les trois monde qui fréquentent zone ça yo, tant pour la Tibonière, c'est une petite localité, et dans cette localité ça, l'État n'est pas présent. C'est l'église avec la population qui est arrivée à construire tout ça qui est dans la zone. Tant pour l'école, dispensaire, magasin, l'école couture, tout ça, comme ça, a été gagné, tout tombé plat à terre. Et il faut qu'on recommence pour être capable de rebâtir Batista. Alors, zone ça, le commandant chef là, prêtez attention, soutenu à toute zone ça, dans cette cité là. Pour ça qui a un rapport avec sécurité, commandant PNH, M. Léon Charles, décide de renforcer la sécurité dans le grand sud pays encore plus. Il y a plusieurs unités qui dépêchent sur toute route là, en deux. Présence policière, non seulement devra aider à sécuriser le convoi et apporter assistance à sinistrés. Ils ont assisté acteurs nationaux et internationaux qui viennent supporter la population de la sud. Nous fait songer, dans le dernier point de presse, nous débattons ici, là, dans quelques jours qui sont passés là, dans ce maintenant, c'est des dispositions qui dépendent pour quel que soit le monde qui peut aller dans le sud, avec la police nationale et Koun, qui est le centre d'opération d'urgence nationale, pour être capable de permettre de joindre la sécurité pour qu'on voit. Malheureusement, malgré nous te parler, c'est des monde qui t'est arrivé dans route là pour continuer. Il y a pas de monde qui t'a accompagné parce que pas t'a demandé côté nous te dit pour aller demander monde qui pour accompagner. Malheureusement, ça a été victime sur route là. Et n'a pas tiré attention à tout le monde. Faire ça demander nous pour nous faire pour nous capables de vivre à destination avec convoi nous pour aller dans le sud là. Dans l'idée ça, il y a un comité qui est composé de 5 membres. Rive mette souple. Et bureau yon placé dans la direction générale. Majorité là dedans c'est policier. Yon appuyé pour faire coordination pour capable sécuriser tout convoi qui peut aller dans le grand sud. La fait coordination pour acheminer dans le grand sud là sous plan sécuritaire. Tout convoi yon quitte sa cap sorti au niveau international. Et ça qui a sorti dans le niveau national, parce qu'il y a des gens qui sont derrière, qui ont tout mis tout. L'équipe SATO, l'idée pour faire coordination pour tous les policiers qui sont victimes dans le sud, ensemble avec la famille, pour faire elle lui rejoindre. Aide ça, que les gens aient apporté dans le sud, sur une forme ou bien une autre, nous demandons pour contacter la police dans 122. N'a fait songer numéro ça, c'était numéro contact pour tout cas kidnappé, yon moun ou bien yon famille ta victime. Numéro ça est toujours pour tout zak kidnappé qui nous a constaté. N'a utilisé le tout pour nous capables de rentrer en contact avec l'équipe ça, avec les moun qui placé dans le CRO pour prendre information que moun ça a fait l'équipe là et a acheminé l'information à l'équipe là. Nous sommes capables de dire qui est là, capable de faire partie du convoi qui parle dans le grand sud. Nous avons fait connaître que le numéro 122 est capable de recevoir 14 appels en même temps. C'est que là, il n'est pas occupé. Sourire, ou qu'il y a un petit temps, pas jeune homme pour prendre un petit temps, mais ou qu'il y a un petit temps, nous aider encore, ou qu'il y a un monde qui peut répondre. Nous avons fait connaître que déjà, escorte arrive à mener 14 convois dans le grand sud. Et chaque convoi ça a eu 11 véhicules pour Pipiti à Boyo. Tout véhicule ça a eu arrivé à destination. PNH a encouragé tout le monde à contacter l'équipe ça pour les capables d'aider au faire suivi pour sécuriser le convoi. Et n'a pas tiré attention à tout le monde. Camion, oublé, transporté, ça oublé. Vous voyez dans le sud là, assurez-vous que c'est un camion qui a volé là. Pour ne pas bailler, reste convoi à problème. Parce que si vous prenez votre camion pour remplir avec aide, il y a des problèmes,
reste convoi à lui-même, à l'obligé à Capitaine. Pour éviter ça, nous avons tout le monde, camion, vous voulez voter convoi, assurez-vous, c'est un camion qui est en bon état. Kounia a présenté le comité ça, qui est chargé pour coordonner sous plan sécuritaire, aide qui est destinée à Grand Sud là, et nous avons rappelé le numéro encore, c'est 122. Et Mounsaï, non seulement, il est là pour capable faire coordination sous plan sécuritaire, et il est là, même tout, pour faire suivi pour toute famille policière et policiers qui sont victimes dans Grand Sud là. Nous avons l'inspecteur général Joseph Smith-Peyo. C'est lui-même qui est responsable de l'équipe là. Nous avons le commissaire divisionnaire Jeannette Bateau. Nous avons le commissaire divisionnaire Jacques-Joël Borival. Nous avons le commissaire principal Pierre-Louis Tanger. Excusez-moi, divisionnaire. Et M. Ipsta, qui est employé civil dans le PNH. C'est tout ça, nous avons pour te partager avec nous. Côté nous avons bâti la population, équipe ça qui l'a fait suivi pour nous, pour ne pas négliger, contacter la police dans 122 pour être capable d'aider, joindre, aider pour sécuriser le convoi pour aller dans le sud. Merci à tous. Merci.